Mais faut comprendre qu'elle doit partir. Elle doit partir. Tu dois te concentrer sur toi. Tu dois te concentrer sur le fait de devenir la meilleure version de toi-même. Je vous dis ça, les gars. Travaillons, 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 travaillons. À la fin, on va gagner. Ouais, les gars, c'est comment? J'espère que vous allez bien. Chercher les femmes n'est pas la solution à ton problème. Le game, là, je te donne. Parce que tôt ou tard, tu as dealé avec les femmes. Donc, il faut que tu sois préparé. Mais chercher les femmes n'est pas la solution. Parce qu'il y a un de mes gars, en fait, qui vient de sortir d'un gourmet, la go l'a trompé, tout ça. Il a vu les messages de mes causés avec un mongo, qui bébé tu as aimé, ce genre de choses-là. Donc, je lui donnais des conseils comme ça. Parce que je fais des consultations, je rencontre des personnes pour leur parler et tout. Et il me disait comme ça que... Ah, je lui ai donné des conseils jusqu'à après, il me disait comme ça que... Il veut en fait essayer de prendre une autre go pour pouvoir oublier la précédente. Maintenant, c'est sa deuxième fois qu'on lui fasse du sale. C'est-à-dire qu'il ne comprend pas en fait. Il ne comprend pas que c'est lui-même qui doit changer. Parce que... Un gars comme moi, qu'on est si red pile là, à quelle heure une go va venir me donner goumé? Je connais comment elle va fonctionner, je connais si elle passe ici, elle passe là, si elle passe ici, elle passe là. Donc ce que je veux lui faire comprendre en fait, c'est que quoi? Chercher les go, c'est pas la solution. La vraie solution, c'est de toi te transformer. Parce que les parties sont fous de toi. Hein? C'est le problème des hommes qui comprennent pas. Ils pensent que non, quand tu vas avoir une go là, non, elle va revenir. Tu la réponds pourquoi même? Et puis elle va pas revenir même. Quand une femme s'en va, c'est le monde qui branche. Elle trouve quelqu'un qui est meilleur et puis elle prend. Donc toi, ta seule option qui te reste là, tu dois t'améliorer. Je vous ai toujours dit, les histoires de non, il a trouvé une meilleure go qu'elle. C'est les conneries. Vrai garçon qui veut faire que la go va regretter et réussir. Voilà. C'est le code qui est là. Non, il cherche. Non, quand elle doit te voir, tu dois plus être même chose. Qu'elle va te voir continuer plus même chose que la dernière fois qu'elle t'a vu en fait. C'est de ça il s'agit. Il s'agit de se transformer, il s'agit de s'améliorer. Si elle, qu'elle t'a laissé, tu étais skinny, qu'elle va te revoir. Tu es bon. Tu as changé. Tout est nouveau. Tu as une nouvelle voiture. Tu es dans ta propre maison. C'est de ça il s'agit. C'est de ce que vous devez vous concentrer en fait. Parce que ce que les gens ne comprennent pas en fait, quand tu t'améliores, tout autour de toi s'améliore. Quand tu t'améliores, tout autour de toi s'améliore. Si tu es en Côte d'Ivoire, c'est les Ivoiriennes avec lesquelles tu vas dealer. Tu vas dealer avec les Ivoiriennes. Si tu vas en France, tu vas dealer les Françaises. Si tu vas au Canada, tu vas dealer les Canadiennes. Pour te dire quoi en fait? Pour te dire qu'en fait, si tu t'améliores, tout autour de toi s'améliore. C'est ça qu'on appelle level up. C'est ça qu'on appelle level up. Tu changes de standard. Tu changes de vie. Tu te concentres sur ta life. Pour t'améliorer, il faut te concentrer sur toi-même. C'est ça qu'on appelle se concentrer sur soi-même. C'est ça qu'on appelle se concentrer sur soi-même. Se mettre au travail. Voilà. Trouver un objectif pour travailler dessus. C'est ça en fait. C'est ce sur quoi tu dois te concentrer. Si tu vas à l'école, il faut que tu fasses tout pour atteindre ton diplôme. Si tu es entrepreneur, il faut que tu fasses tout pour scale ton business. C'est sur ça que tu dois te concentrer. C'est ça, on dit un garçon, si tu travailles, il faut que tu sois le meilleur en fait dans ton travail, dans ton service en fait. C'est de ça qu'il s'agit. Il ne s'agit pas non d'aller chercher une autre go. Tu penses quoi? L'autre go que tu as cherché, elle ne peut pas te montrer la même chose. Elles sont comme ça toutes. Elles sont comme celles toutes, elles ont la cape, elles sont pas comme celles, elles vont pas toutes te faire ça, mais elles ont toute la possibilité de te faire ça en fait. Donc il faut que tu comprennes, c'est toi qui dois bien te positionner. Les femmes sont comme elles sont. Ce qui tue les gens, c'est pas le fait que les femmes soient mauvaises en fait. En vérité, c'est même pas ça en fait. Il y a de mauvaises femmes, il n'y a pas de rat. Mais hein, ce qui tue les gens, c'est leur ignorance en fait. Ils connaissent pas l'hypergamie. Ils connaissent pas l'hypergamie. Ils savent pas que
comme si, comme ça. Si elle fait ça, si elle fait comme ça, elle peut me laisser. Si elle agit comme ça, elle peut me laisser. Donc quand il fait comme ça, puis elle le laisse, il ne sait même pas pourquoi elle a quitté. Encore quand tu es red pill, tu peux savoir que ah, c'est parce que je me comportais comme ça que la go est partie en fait. Donc c'est là que je dois améliorer. C'est pas tout le temps la faute des femmes. C'est toi qui te comportais comme un bêta. Je vous ai toujours dit que les bêtas, les femmes les repoussent. Elles font pas exprès. Elles font pas exprès. Ces gens, c'est en elles. Elles font pas exprès de vous repousser. Quand tu es bêta, elle va te laisser. Quand tu es bêta, elle va monter brunch sur le nouveau moron qui n'est pas bêta. Le nouveau moron n'est jamais bêta parce qu'au début de la relation, il est toujours dans une science où il est propre, propre, propre. C'est après, elle va le rendre bêta. C'est comme ça en fait. C'est un cycle. Ça ne s'arrête pas. Elles ne font que tourner. Ou elle va se rendre compte, elle a 45 ans. Tous les morons l'ont sonné dans le quartier. Vous comprenez un peu? Voilà. Donc comprenez ça et comprenez que après une peine de cœur, on utilise cette douleur pour s'améliorer. On n'utilise pas cette douleur pour chercher une autre go qui a te montré la même chose. Si tu crois pas essayer, si tu crois pas essayer, tu peux essayer en fait d'utiliser une femme pour atténuer ta douleur. Moi j'ai déjà fait ça. Elles nous font ça. Elles nous font ça. Quand son gars la bat là-bas, là, elle vient chez toi, elle nous font ça. Quand son gars la laisse là-bas, elle essaie de faire comme si elle est fond de toi. Elle est fond de toi. Elle t'utilise comme tampon émotionnel. Elle t'utilise en fait pour oublier le gars, la douleur que son ex lui a montré. Mais elle n'est pas fond de toi. Une fois que la douleur s'en va, tu es déprogrammé. Elles font ça. Donc tu peux faire ça à un certain niveau si tu as trop mal. Tu peux faire ça à un certain niveau si tu as trop mal. Mais il faut comprendre qu'elle doit partir. Elle doit partir. Tu dois te concentrer sur toi. Tu dois te concentrer sur le fait de devenir la meilleure version de toi-même. Je vous dis ça, les gars. Travaillons, 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 travaillons. À la fin, on va gagner. À la fin, on va gagner. Ceux qui ne vont pas gagner, c'est ceux qui ne vont pas travailler. Ceux qui ne vont pas gagner, c'est ceux qui ne vont pas vouloir s'améliorer. Ceux qui ne vont pas gagner, c'est ceux qui vont rester là à se plaindre. Pourquoi elle m'a fait ça? Pourquoi elle m'a fait ça? Pourquoi elle m'a fait ça? Non, un garçon ne se plaint pas. Un garçon change sa situation. Un garçon ne se plaint pas. Si tu ne peux rien faire par rapport à ça, faut te taire. Parce que quand tu commences à parler, et puis tu ne fais rien pour changer, ça énerve les gens autour de toi. Voilà. La solution, c'est de travailler sur soi. C'est ça la vraie solution. La solution, c'est de changer en fait son mode de vie. La solution, c'est d'arrêter les mauvaises habitudes. La même manière que tu te réveilles le matin, tu fumes weed. La même manière que tu te réveilles le matin et puis tu manges les bêtises qui te font grossir. C'est la même manière que tu peux changer aussi tes habitudes. Le matin, tu te réveilles, tu t'en vas au sport. Le matin, tu te réveilles, tu cherches à travailler. Le matin, tu te réveilles, tu cherches à lire un livre. Change tes habitudes seulement. Tu vas voir que tout va se mettre en place. La solution, c'est pas de chercher les go. Non, elles qui viennent, elles sont venues. Parce que quand tu travailles sur toi, elles viennent seules. Elles qui viennent, elles sont venues. Tu appliques le game sur elles. Tu avances, tu les sonnes. Voilà, c'est la sonnerie. Mais elles, tu ne vas pas aller les chercher pour dire que non. Il a commencé à courir derrière femme. Il a commencé à courir derrière femme. Vrai garçon ne cherche pas femme. Et vous avez toujours dit ça. Vrai garçon ne cherche pas femme. Il se cherche. C'est le game, les gars. On est un vrai garçon. Ici, c'est la chaîne des garçons. À quoi essayer de demander aux femmes qui viennent et qui regardent la chaîne, si elles ont de bons commentaires à faire, qu'elles le fassent. Si elles ont de mauvais commentaires, qu'elles se taisent. Parce que ce que je dis, si ça t'intrigue en tant que femme, si ce que je dis t'intrigue en tant que femme, faut te revoir. Si ce que je dis t'intrigue en tant que femme, tu te sens mal à l'aise quand tu entends ce que je dis, faut te revoir. Parce que je suis en train d'avertir les hommes par rapport aux mauvaises femmes. Il y a des femmes qui avertissent les femmes par rapport aux mauvais hommes. Donc il y a mauvais partout. Donc si moi j'avertis les hommes par rapport aux mauvaises femmes, que ça t'intrigue, ça te fatigue là, c'est que toi-même là, faut te revoir. Voilà, ici c'est une chaîne d'hommes. Ici c'est une chaîne d'hommes. Et parle pas à l'ego. Voilà, donc les gars, on est ensemble, non? Tant, buvez de l'eau. Voilà.